Les pierres du fleuve sont belles, mais l'amour conjugal est le plus fort. Nous goûterons une spécialité gastronomique des Trousia. Le bourg millénaire de Gong Tran, immergé sous l'eau, a ressuscité. Que sont devenus aujourd'hui les trois bandes roches d'antan? Le fleuve Oudiang, le bateau parcourt trois bancs de roches sur le fleuve Oudiang, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine. L'équipe de tournage poursuit son programme sur le fleuve Oudiang dans la section du Guizhou. Le fleuve Oudiang, aussi appelé fleuve Tianjiang, long de 1037 km, est doté de deux sources sud et nord, la rivière Sancha comme source sud et la rivière Liuchong comme source nord, qui prennent toutes les deux leurs sources dans les monts Umang du Guizhou. Jadis, le fleuve Oudiang comptait trois bancs de roches dangereux, Chaodi, Sintran et Gongtran, à cheval sur le Guizhou et Chongqing. En longeant le fleuve Wujiang vers l'aval, l'équipe de tournage se rend dans le district de Dojiang, de la ville de Trongzhen, Guizhou. Cette région est située au cours moyen inférieur du fleuve Wujiang. Ai美丽中国，看远方的家，远方的家江河万里行摄制组来到了德江县的朝底镇。我身后流淌的呢，就是乌江了。在这儿呢，可以看到几乎是家家户户的门口都会堆放的很多像这样的石头。我们拿起来一块看一下。 这石头端在手上还是比较的重的，从外形上看呢，和普通的鹅卵石没有太大的区别，只是在上面会有一些非常漂亮的纹路。我们也听说啊，这些石头都是来源于我身后的乌江，所以也叫它们乌江石。正是这些看似非常普通的乌江石，已经成为了朝底镇的标志，也改变了当地人们的生活。今天呢，我们就要走到镇里去看一下。 Quand le fleuve Oudiang passe par le bourg de Chaodi, du fait de la grande chute, le courant torrentiel érode les pierres dans le fleuve tout au long de l'année, formant ainsi un atelier naturel de pierres de formes étranges. Ces pierres originales du fleuve Oudiang sont en grande partie réparties entre les bourgs de Chaodi et de Changbao, en aval, sur une section de 13 km. De texture dure et de couleurs éclatantes, ces pierres polies font le bonheur des collectionneurs amateurs de pierres. 大哥您好，您好，这些石头都是您家的吗？是是是。您好，我看您在这给石头喷水呢，为什么呀？
就是这个石头每天它要做一点保养嘛，它因为那个皮啊，就是说如果你不做保养，它就是那个颜色就有一点变嘛。这些石头您都是从哪里挖到的？挖掘挖起来的吗？啊，是在就在咱们身后的这条江吗？就在我身后这里。Villageois de Guanzhai, bourg de Chaodi, Zhang Hua fait le commerce des pierres depuis 6 ou 7 ans. Il a collectionné un certain nombre de pierres aux motifs originaux et il est très fier de l'une d'entre elles. Oh, 对，我刚才还想说呢，又像酒又像福，因为它是这样看，如果不加这儿，我觉得会像福一些，是不是？对对对对，然后从这个角度看的话，就像酒了，特别像酒，三点水。Jean Hua considère cette pierre comme un trésor familial. Plusieurs acheteurs lui ont proposé un prix élevé, mais il n'a jamais eu le cœur de la céder. Selon lui, parmi les marchands de pierres dans la région, son commerce n'est pas très grand. Après avoir quitté le village de Guanzhai, nous nous rendons au bourg de Chaodi à 30 km du chef-lieu du district. Nous sommes maintenant à Chaodi. Nous avons entendu que dans la ville, il y a un grand riche, sa maison de Wujiang Shi, la plus particulière. Nous allons voir. Nous voici maintenant au bourg de Chaodi. Zhang Prang, 48 ans, a été l'un des premiers du bourg à se lancer dans le commerce des pierres. Maintenant, lui et sa femme exploitent un restaurant et exposent des pierres collectionnées dans l'établissement pour les vendre. Monsieur Zhang a aussi une pièce maîtresse. Wujiang Wang, c'est votre nom ? Oui. C'est votre nom le plus beau de votre pierre, c'est ça ? Oui, oui. Ça a l'air comme un chien, c'est ça ? Comme un chien de chien. Oui, oui. De l'autre côté, c'est un chien de chien. Le chien est encore tourné, comme un chien de chien de chien de chien. Le chien de chien de chien de chien de chien. 20块钱、这个石头还有一点故事的，是，你给我说说。当时我带柳州朋友啊，到农夫家去买石头，嗯，这个问他朋友要不要，他说，他说不喜欢这种石头，嗯，当时我就买下20块钱，嗯，20块钱是用上船就是40块钱，嗯，运到家，然后他照相回柳州去了之后，10天跑到我家来喊我10000块钱卖给他，我没卖给他了。Maintenant, quelqu'un propose 350 000 yuan pour acheter cette pierre.Par rapport au coût d'achat initial de 20 yuan, quelle différence? Selon Zhang Prang, si les habitants locaux ont réalisé la valeur des pierres du fleuve Wujiang, c'est grâce aux gens du Guangxi. Dans les années 80, collectionner des pierres de formes étranges était devenu à la mode dans le Guangxi. En 95, Zhang Prang et sa femme ont ouvert un restaurant au bourg de Chaodi. Un jour, plusieurs personnes venues du Guangxi ont sollicité son aide pour acheter des pierres du fleuve Wujiang en vue de les revendre ailleurs. 这位是，这是我爱人啊，爱人，大嫂你好，你好，也在保养石头呢，是吧？这块石头他自己去找的，是我爱人他自己啊，所以说现在在他这个。当时看见一个观音，嗯，一个观音，哎，这个头，这个身啊，这个是在哪发现的？就在这下边啊，是河吧，河滩上，河滩上。En 2007, le prix des pierres du fleuve Wujiang a commencé à monter. Maintenant, une pierre brute de qualité moyenne peut se vendre à 2000 ou 3000 yuan. L'an dernier, Zhang Prang a réalisé un chiffre d'affaires de 170 000 à 180 000 yuan en vendant des pierres. Le restaurant familial lui a aussi rapporté environ 100 000 yuan de bénéfices. Avec la retenue d'eau par la centrale électrique de Chatro, en aval du bourg de Chaodi, les habitants ont été relogés localement. Les Zhang ont dépensé plus d'un million de yuan pour construire ce bâtiment à 5 étages. 大哥，当时石头就在这个下面吗？这块江。对对，石头是从这个小溪河顺流而下，从朝底到长堡是13公里路比较多。然后石头就堆积在这一块了。对的，哎。En avril 2013, étant donné la retenue d'eau par la centrale électrique de Chatro à 90 km en aval, le fleuve Wujiang a vu son niveau monter et les grèves jonchées de galets s'immerger dans l'eau.Le fleuve sous nos yeux est devenu très calme. Mais il y a 50 ou 60 ans, c'était un banc de roches dangereux, sous de torrents turbulents, dont les bruits pouvaient être entendus de loin.整个镇上人都吃你们家的粉，是不是？
Dans l'ancien bourg de Chaodi, avec l'élévation du niveau de l'eau, de nombreux habitants ont été relogés ailleurs. Mais la mairie et l'école primaire sont toujours là. La mère de Jeanprong a tenu un restaurant dans ce bourg pendant plus de 60 ans. Depuis son mariage en 1990, Shen Li a toujours aidé sa belle-mère à gérer le restaurant, alors que Jeanprong a beaucoup vécu d'autres expériences. Il a été appelé sous les drapeaux, démobilisé, il a travaillé à la coopérative d'approvisionnement et de vente du bourg, puis il a perdu son poste 5 mois plus tard. Après, il a tenté d'élever des porcs, de fabriquer de la chaux, d'élaborer de l'eau de vie, de travailler comme transporteur, etc. Malgré ses efforts, la chance ne lui a pas toujours souri. Et pendant environ 20 ans, il n'a réussi aucune opération. C'est sa femme qui entretenait la famille grâce à l'activité du restaurant. Monsieur Zhang se sent redevable et reconnaissant envers sa femme, mais elle ne fait aucun cas des épreuves vécues. Elle apprécie le sérieux et la persistance de son mari dans ce qu'il fait. Je suis un peu plus de temps. 因为每一样东西都要去尝试嘛，你不尝试，哪个来成功呢？我从来就是敢闯敢拼的人，不怕吃苦的人，只要能够赚钱，不违法，挣到的金元，我是从来不放弃。C'est parce qu'il est tenace que Monsieur Zhang a enfin trouvé le commerce des pierres. Aujourd'hui à Dojiang, nombreux sont des paysans qui vendent des pierres originales. Parmi eux, plus de 60 réalisent un revenu de plus de 100 000 yuan par an et plus de 600 des recettes de plus de 5 000 yuan. En 2013, le district de Dojiang a ouvert un marché aux pierres originales, fleurs et oiseaux. À l'heure actuelle, plus de 80 marchands s'y sont installés. Et notre journaliste a trouvé le professeur Han, qui s'y connaît en pierre. Les pierres ornementales sont généralement classées en 5 types. Pierre à motif, à paysage, à forme particulière, à sens suggestif et groupe de pierres. Cette pierre du fleuve, présentant l'image de la favorite Yang sous nos yeux, appartient au type de pierre à motif. En marchant au hasard dans le marché, nous pouvons voir des pierres qui impressionnent. Le travail de la nature a formé des pierres étranges qui ont changé la vie d'un certain nombre d'habitants locaux. Regardez des pêcheurs pêcher à Sintan et goûter le poisson du fleuve Wujiang à la chèvre. Le fleuve Wujiang, le bateau parcourt 3 bancs de roches sur le fleuve, de la Syrie à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 在整个乌江航道上，一共有三大险滩，分别是潮底滩、新滩和重庆酉阳的公滩。 由于电站蓄水，我们可以看到江面上现在已经没有当年的波涛汹涌了。我们现在呢，行船将要前往第二大险滩新滩，去看一看它现在到底是什么样子的。Situé dans le canton de Chongqing, district de Dejiang, au cours moyen inférieur du fleuve Wujiang,
Le banderol Sintran fut appelé jadis Mugwetro. Selon les annales de Dodiang, en août 1858, des roches de la rive ouest du fleuve Udiang s'écroulèrent et bouchèrent le courant, formant ainsi un banc de roches, d'où le nom de Sintran, nouveau banc de roches. À cette section, le fleuve Udiang était doté d'une profonde vallée et d'un relief escarpé. Pendant une centaine d'années, quand les marchandises acheminées par bateau passaient ici, elles devaient transiter par voie terrestre. Ce n'est qu'en 1958 que Sintran est redevenu navigable, car la centrale électrique a retenu l'eau en aval. Le niveau de l'eau de la section Sintran a été élevé d'environ 40 mètres. On est maintenant arrivé dans le Sintran de Shui Yu. Là, juste ici, on peut voir que toute la rivière est assez ouverte, et que la rivière n'est pas très vive.在这儿呢，看到了有十几艘的渔船在这儿打鱼呢，可以听到他们唱起了这个打鱼的号子。我们过去看一看，大哥，我们能跟你们一起去看一看吗？上你们渔船看看，一起打鱼好不好？可以，可以听到是吧 ？Les pêcheurs sont des riverains. Lubo a 27 ans cette année. Il nous dit que maintenant la plupart des jeunes du village sont partis travailler ailleurs. Peu restent à la maison pour pêcher des poissons.Mais récemment, les prix des poissons sauvages du fleuve Udiang sont intéressants sur le marché. La carpe se vend 100 yuan le kilo, alors que le silure se vend entre 200 et 300 yuan. Après une dizaine de minutes de navigation, nous arrivons à l'endroit. Maintenant, nous avons déjà combien de mètres de poissons sauvages qui ont été récoltés ? Nous avons déjà 30-40 mètres. Nous avons déjà 30-40 mètres. C'est complètement différent de ce que je pensais.可能是把渔网一拿上来就会有很多的鱼，但说到三四十米也就快到一半了，现在还没有一条鱼。Les villageois disposent des filets la veille au soir et les récupèrent au lendemain matin. Comme le fleuve Udiang est très profond, le filet est long d'environ 100 mètres. Lubo a commencé à apprendre à pêcher auprès de son père quand il avait 7 ans. Il a aussi travaillé ailleurs comme main d'œuvre. Plus tard, son père est décédé.Comme sa mère n'avait pas une bonne santé, il a décidé de revenir et travailler comme pêcheur pour prendre soin des siens. Nous rentrons le filet pendant longtemps. Ce n'est vraiment pas facile de pêcher sur le fleuve Udiang. Mais Lubo réussit à gagner 4000 yuan par mois. Les riverains sont non seulement des pêcheurs avertis,mais ils excellent aussi à cuisiner les poissons. Vu notre équipe venir réaliser le reportage après discussion, ils rassemblent tous les poissons capturés pour organiser un festin de poissons du fleuve Udiang. Ce que nous avons pris, comment le faire ? Mala. Mala. Zhaola. Zhaola. Et yang rou zhu yu. Yang rou zhu yu. C'est comment faire ? Parce que yang rou zhu yu, c'est plus chou. Ah, c'est la zhu. Yi jia yang, c'est une zhu. La zhu, c'est ça ? Oui, Udiang de yu.À Sintan coexistent montagnes et rivières. Hormis la pêche, les riverains ont aussi la tradition d'élever des chèvres. Aujourd'hui, le plat principal du festin est une spécialité locale, poisson du fleuve Udiang à la chèvre. Sintran est un village d'ethnie Trudia où habitent plus de 550 personnes de quelques 130 familles. Wow, 这么多人！是啊，这些都跟我们一起捕鱼的嘛。哦，一起捕鱼的。对对对对对。这还有两口大锅啊！对，这就是这个锅拿来煮这个羊肉煮鱼的。羊肉煮鱼要这么大锅？对啊，羊因为羊有那么大，啊，鱼有这么多。Le festin a lieu chez le cousin de Lubo. D'habitude, quand il y a un grand événement au village, on s'est réunis aussi pour un festin. Aujourd'hui, une dizaine de bateaux ont capturé en tout une trentaine de kilos de poissons, dont des silures et des poissons mandarins qu'on voit rarement. Tout le monde se met à contribution.大伯，我看你把鱼要切成这样是为什么呀？这个鱼啊，这个鱼叫糖醋脆皮鱼，毛毛盐啊，加蛋清，把它磨上之后，再下油锅慢慢的炸起来，慢慢的炸起来，哎，炸起来再加糖，再加的。那为什么要切成这样呢？切成这样的目的是什么？它是脆糖醋脆皮鱼，这个切成是它的一个。啊，这个草形的形状啊，哎，好看，好看，像梯形，像吃。没想到大伯的刀工还是这么细啊。Monsieur Anne est le grand chef du jour. Son art culinaire est reconnu par tous au village. Quand une famille organise un banquet, elle l'invite toujours à présider la préparation. Les villageois chaleureux nous réservent aussi ciba et nouilles de sarrasin. Ce sont des délices. 大伯，您这是在干嘛呀？
哇，加工鱼啊，把这些鱼都切成块了哈，切成块了啊，加点毛毛盐，加点盐，再加点鸡蛋，再加点蛋清，蛋黄不能搞出来，是吧？蛋清不要蛋黄，蛋黄，而且我看这个鸡蛋是土鸡蛋吧，这么小，是土鸡蛋，这个蛋清加在里面，鱼自己吃起是嫩嫩的，嫩的，吃起来口感特别的鲜嫩，鲜嫩，哎，啊。Poisson du fleuve Oudjiang à la chèvre. Depuis combien d'années cette drôle de recette circule-t-elle dans ce secteur de Sintran? Monsieur Han ne le sait pas non plus. Dans la mentalité des natifs, c'est le plus grand plat qui soit. Pour faire ressortir la saveur, mariner les poissons est indispensable, et pendant plus d'une demi-heure. Entre-temps, il prépare d'abord le poisson frit, croustillant, à la sauce aigre-douce. 糖醋脆皮鱼现在开始下锅了，下锅了，这里面放的是油，油，哦，菜油，这个鸡蛋掌握到80度的温度，鸡蛋，嗯，淀粉，炒豆浆，现在把它抹上去，哦，抹上去，这样就是炸出来之后外面一层特别酥脆，哎，它有个炸出来它就有个形状了，啊，啊，每一个粉里面都要抹的，哎，下锅了，哎，这样先发了，啊，先拿这个浇上是吧？就定型了，就定型了，哎，对，是。有鸡蛋，再加上油，啊，就变成这个金黄色了，特别的有食欲。Le poisson croustillant frit est doré à l'extérieur et tendre à l'intérieur, mais il doit subir un second traitement de mise en forme par un jus fait à base de piment et d'amidon. Toute la cuisine est remplie d'un parfum aigre-doux. Pendant que Monsieur Han prépare le poisson croustillant, la viande de chèvre bouillonne dans la marmite depuis plus d'une heure. 哇，好热啊！您放的这个是树叶是吗？花椒，刚才由树上摘下来的。为什么要放这个呢？不直接放花椒呢？这个放了条，吸到香味。哇，还看到这里面有个大料包，是里面是什么料啊？三来八果、丁香、肉桂，这么多，就是算是一个卤料的。哎，卤料是吧？啊，在这煮，把肉煮好。Les feuilles de poivrier fraîches sont cueillies de l'arbre dans la cour.Elles permettent non seulement de combattre la forte odeur de la chèvre, mais aussi de faire ressortir la fragrance. 生的是扎不进去，一起放还是分开放？分开放。大伯，这桌上有姜蒜，这些佐料都是什么时候放啊？这个佐料啊，要把这个鱼炸捞起来了啊，吃油的时候再放这个生姜大蒜，嗯，烧辣子。大伯，这两种辣酱有什么区别啊？这个是酸的，哎，这个是盐的。这是什么？这是料啊，老鸭汤的料。哎，这是羊肉的底料。羊肉火锅料啊，这个呢是什么？花椒粉。花椒粉。嗯。这个呢？鸡精。鸡精，糖。白糖。白糖。食盐。食盐啊，所有的料都摆在这儿了，现在就该下锅了，是吧？下锅了。一点一点来。哇，第一次看到这么大的一个锅里面炸鱼，其实跟刚才那个炸鱼的感觉是一样的哈，都是变成金黄色了。炸多长时间？炸分钟够了。Quand les poissons coupés en morceaux ont bien frit et sont sortis, on met dans l'ordre les piments, les sauces et autres en les retournant jusqu'à ce que les morceaux de poisson soient enrobés de condiments de façon homogène avant d'y ajouter la soupe de chèvre pour faire cuire. Et d'un autre côté, on coupe les morceaux de chèvre. 现在是到了炒羊肉的环节了，是吧？把酱，我看您在前面已经调好了。再把肉放进去翻就行了。翻炒。果然是分两个大锅，一锅鱼，我们看一下，鱼在那边已经是快好了，是吧？已经熟了。然后一锅是肉，一锅是羊肉，然后最后让他们两个都熟了之后再混在一起就行了，一对。啊，并不是放在一起煮的。就这样成功了。La recette des poissons du fleuve Oudjiang à la chèvre diffère de ce que nous imaginions.Selon M. Han, on ne peut pas faire cuire poisson et viande de chèvre ensemble, parce qu'ils nécessitent des feux de différents degrés. Je vais essayer. J'ai attendu un soir ce plat de la grande pièce, le yang ao yu. Je vais manger un peu de yang. Ça sent comme un peu de chèvre. C'est un peu de chèvre.嗯，这个鱼好鲜嫩啊！啊，
而且这个鱼煮得特别的烂，就咬到嘴里瞬间就化了，感觉、哎、是吧？我来吃块羊肉在哪儿啊？羊肉在下面。这个鲜字儿，我只刚才只吃了一半，只吃了个鱼，现在还有羊。羊肉特别的筋道，但是吃到嘴巴里面没有任何的膻味儿。虽然说辣味儿非常的重啊，但是一点都不会影响到鱼和羊结合起来的那个鲜味儿。Dans la petite cour, les villageois qui sont allés pêcher ensemble sont réunis là pour partager le fruit de leur labeur. Un repas partagé est une meilleure occasion pour resserrer les liens entre eux. À part les poissons à la chèvre, il y a aussi la viande fumée, saucisson, haricots que les Troudiens adorent. Tout le monde boit de l'alcool de riz sucré, à cœur joie comme une famille. 咱们这个江水原来就是这么高吗？原来没有，原来是相当于现在的五分之一。五分之一，河道的宽度就是现在五分之一。那之前和现在捕鱼有没有什么变化？捕鱼的变化很大的。啊，就是说，现在捕鱼的人数比以前更多了。以前捕鱼一个村就只有那个两三个人在捕鱼。为什么呢？因为那个时候，滩咸水急，比较难捕。捕鱼的人就比较少，那个时候需要的技术比较高，不是一般人可以下去捕的。En regardant le fleuve Oudiang à côté, le banc de roche d'antan a disparu. En haut, ce sont les nouvelles maisons du village de Sintran. Nous admirons les changements sur le fleuve Oudiang et espérons que les Troudiens riverains pourront vivre plus heureux. Comment le bourg de Gongtran, immergé dans l'eau, a-t-il pu ressusciter ? Que sont devenus aujourd'hui les trois bancs de roche d'antan du fleuve ? Le fleuve Oudiang, le bateau parcourt trois bancs de roches sur le fleuve Oudiang, de la série à la découverte des cours d'eau de la Chine, nos foyers lointains. 从德江出发，沿着乌江大约车行了四个小时，我们现在已经离开了贵州省，来到了重庆市的酉阳县。酉阳县是重庆市地理面积最大、人口最多的县城。站在这儿可以看见，整个县城狭窄而修长，被一片群山包围着。那么乌江的三大险滩之一的公滩就在酉阳的境内，距离县城大概约有一个半小时的车程。现在呢，我们就要前往公滩去看一看。Le fleuve comportait dans l'Antiquité trois bancs de roches dangereux, les bancs Chaodi, Sintran et Gongtran. Ce dernier est situé à plus de 70 km du chef-lieu, aux confins des districts de Prangshui de Chongqing et de Yanhe du Guizhou. La dernière étape de notre programme sur les trois bancs de roches du fleuve Oudiang est celle de Gongtran. 一比一，唐老师，原来古镇的位置就在这儿吗？原来古镇不在这个地方，是在上游两公里半那个地方，因为这个搬迁这个原因的话，这个地方的位置比较合适，意思就是从上游地方全面走。那咱们现在古镇和原来的整个一个样子有没有什么变化？大体上是一样的，就是基本上是按原貌搬迁过来的。唐老师，公滩码头在以前为什么那么重要啊？因为公滩这个地方它就是一个转运站，上面的货上不去，必须下货了再往上面装船，上面的货下不来，它就是必须要那个呢，在那个地方转运下来才这个运输，也就是重新装船，就是等于说要跨过公滩然后再上船再上。对，就是这个道理了。Situé sur la rive est du confluent où le fleuve Oudiang et l'Aprang convergent, l'ancien bourg de Gongtran avait une histoire de plus de 1700 ans, réputé premier bourg historique et culturel de Chongqing. Suite à la retenue d'eau par la centrale électrique de Prangshui sur le fleuve Oudiang en aval, l'ancien bourg, qui était en dessous de la ligne d'immersion, a déménagé en 2009 dans son ensemble, grosso modo. Il y a un grand stone sur lequel il y a des mots.是唐街，是宋城，是爷爷奶奶的家，吴冠中提的是吧？是他提的，因为公堂在上面的话，复制下来以后的话，让他们记起是爷爷奶奶的家，世世代代我们让他接到接公堂。对，世世代代我们都居住在这里。对，就在这里居住。这小路还挺漂亮的，这两边画。Nous marchons dans le bourg antique. Cette rue d'allée sinueuse s'avère tranquille et pittoresque. Des maisons sur pilotis se dressent serrées les unes contre les autres, dominant le fleuve.Selon le professeur Trang, toutes les maisons, y compris les bois et les pierres, sont grosso modo copiées sur ce qu'elles étaient auparavant. Comme l'ancien bourg a été déplacé et reconstruit dans son ensemble ici grosso modo, les 350 familles du bourg ont été, pour 90% d'entre elles, relogées ici. Elles se sont installées dans leur nouvelle maison. Et aujourd'hui, le bourg est devenu un site touristique très fréquenté.一个老前夫哦，这个爷爷是吧？这个老前夫。
爷爷你好。啊，您高寿啊？80了。80岁了、啊、哇，精神好好啊。现在在工厂来讲的话啊，他就是反正年龄最大这个最老的一个前夫了。那最早的时候咱们船都是运什么货呀？盐巴。盐巴。哎，盐巴军粮。那阵吃盐巴都是以盐巴调粮食。Ran Chonghui est un troudia et un vieux haleur de Gongtran à l'époque. Il a commencé à travailler en tant que haleur à l'âge de 15 ans et ce pendant plus de 40 ans. Maintenant, il vit avec ses deux petits-fils. Comme les banderoches Chaudi et Sintan dans l'Antiquité, le banderoche Gongtran était aussi une importante plateforme de transit des voyageurs et des marchandises sur le fleuve Wudiang, reliant le Sichuan, le Guizhou, le Hunan et le Hubei. Il était réputé banderoche Gongtran d'argent. 当时是写了一个千门口客栈，千门口是什么意思？千门口就是发千的一个地方，搬运工搬货搬到船上去，过这个门口要发一根签，就表示你做了一件货，凭这个签呢就去杀这个签了，领工钱，这就领工钱。唐老师，像当年咱们这个码头的通货量是不是很大？相当大。这个码头都会运一些什么货啊？一般、最主要是盐啊，食盐，最主要是因为我们这是古盐道。Le professeur Trang a 72 ans cette année. Son père a été maire du bourg de Gongtran. Par conséquent, il a la mémoire d'enfance ici. Il nous apprend que ses grands-parents lui avaient dit que sous le règne de l'empereur Guangxu des Qing, Gongtran, à son apogée, comptait tous les jours un millier de porteurs qui allaient et venaient entre les bateaux et les entrepôts de sel. Porteurs, bateliers, marchands et voyageurs totalisaient 10 000 personnes dans cette rue d'allée de moins de 2 km de long à Gongtran. Du fait de la prospérité du commerce, la chambre de commerce locale formula spécialement une convention pour réguler le prix du sel. Ah, Yongdingcheng. 当时这个碑为什么叫永定成规碑啊？它就是为了维护这个搬运和这个商家的这个平衡这个关系，盐号和商号他们就产生一些矛盾，这就是碑是地方势力，这个就是在这个地方的势力，你在我这个地方做生意，你们在听我的，不准克扣。搬运的工资，工人的工资、但是也不能随便涨价。这个永定成规的意思就是永远定下了这个规矩。定下这个规矩，这些都是后面。Cette stèle fut érigée en l'an 1 du règne de l'empereur Wenli des Ming. Malgré le fait que la pierre ait été sérieusement érodée, certains mots sont encore lisibles comme subdivision de Gongtran, rigoureux et prudent. La stèle fait office de convention. Aucune infraction n'est permise. Cela témoigne de la prospérité du transit florissant des marchandises au bourg à l'époque. Nous nous promenons dans ce bourg antique sans but précis. Fine pluie, eau du fleuve, brume, demeures anciennes, tout nous inspire la sérénité. Le professeur Trang nous apprend que la demeure des Jeanne est en tant que demeure ancienne est très bien conservée. 你好，你好，啊，您是咱们屋子第几代传人？我们是从最早的土司到我们这代是第32代了。第32代了是吧？32代。这个土司是什么意思啊？土司就跟以前就是有样的土官，就是最高行政长官，就现在的什么就叫土司，土皇帝。冉家院子有多少年历史了？有300多年历史了。嗯，在古镇上面是算保存最完整、恢复最好的一个院落。哇，进来觉得屋子不是太大。Elle n'est pas grande, avec une cour carrée, des balcons, des couloirs et des fenêtres. Tout a été reconstruit d'après les plans de la maison ancienne.La famille Jeanne conserve encore bon nombre d'outils des haleurs d'antan. Des photos anciennes au mur retracent la longue histoire de Gongtran. This is a 配套的，走路累了以后就把它休息，这个杵在后面。怎么休息？当个板凳用是不是？对。Jeanne de Guang a 39 ans. Avant le déménagement, il a découvert en 2002 que de plus en plus de touristes s'intéressaient au bourg antique. Il a commencé à recevoir des visiteurs en ouvrant sa maison. En 2009, après le déménagement, sa maison a été reconstruite au nouveau Gongtran. Maintenant, il peut recevoir 10 000 à 20 000 visiteurs chaque année. La famille a aussi ouvert un restaurant au bourg.Les droits d'entrée plus les recettes du restaurant lui rapportent plus de 100 000 yuan par an. Vu notre intérêt pour les barils, Jeanne et sa cousine proposent de nous emmener au bord du fleuve pour voir comment les riverains de Gongtran portaient jadis de l'époque.
这小姐姐在这舀水啊？啊，是吗？大哥，这个桶有多重？能装多少水？这个能装100多斤水。100多斤水，加上它这个桶重，可能我掂了有个120-130斤吧。120-130斤重。对。啊，是你背呢还是你背啊？这个路不太好走，还是我来背吧。啊，路不好走。对，我好长时间没回来了。啊，因为这儿的路不平是吧？有很多的石头。对对对。啊，您背到平地上面，然后再姐姐再背，是不是？Rando Guang nous apprend que le seau est amphibie. Un seau d'eau ne pouvait couvrir que la consommation d'une journée. Un va-et-vient prend plus d'une demi-heure. Vu que M. Jeanne le fait sans difficulté, notre journaliste veut essayer. Je pense que si la pluie tombe, ça sera encore plus 稳住不晃的话，其实也是一种技巧。只有时间长，有经验了，习惯，才能把它稳住。上来之后，我可以试一试这个。这不是说的是个凳子吗？这个是这样。啊，马步蹲上，你把这个蹲上面。马步蹲上，把这个桶放在上面，是不是？对，马步蹲上。啊。啊，对。呜。啊。这就稳住了是吧？啊。是不是还要喊一个什么号子呀？喊。Jadis à Gontran, les femmes portaient l'eau et s'occupaient de la maison, alors que l'homme travaillait comme haleur ou porteur pour entretenir la famille. La vie continue sans histoire, comme ce fleuve Oudian qui coule jour et nuit au pied du bourg. Quand nous sommes revenus chez les Jeanne, la nuit commence à tomber. Dans le bourg, il existe des dizaines d'hôtels et d'auberges, toutes catégories confondues. En fonction de leurs différentes prestations, leurs prix varient grandement. Le lendemain, les montagnes et le fleuve sont enveloppés dans une brume, et le fleuve Oudiang surgit vaguement, ce qui fait qu'on ne sait pas qui est brume, qui est fleuve. 昨天我们就在古镇上留宿了一宿，早上起来发现天气下起了小雨，镇上也没有昨天那么多的游客，显得特别的清静。我们可以看到江面上现在是云雾缭绕，特别像在仙境一样哈。唐老师告诉我，在镇上有很多别具特色的小吃，像我们这个地方的小吃很多，白糖饺啊。熟食啊，等等等等。最具特点的是什么？最具特点还是算贡坛的熟食啊，圆圆的，是米面做的，吃在嘴里面去的话，又香又甜啊，因此就取名叫熟食。Une boutique de gâteaux croustillants。你好，您是店主是吧？哎，是啊。啊，我看您在做这个呢。哎。这就是熟食吗？是啊。啊，这是拿什么做的呀？糯米粉。我看这是一个像是一个模具一样的，这个模具叫银桶，它是在里面是雕花，这摆的是已经做好了啊！我看到这上面有花纹哈。你吃一个试试嘛。这个酥食拿起来的时候，闻起来是有芝麻味儿啊，但是吃到嘴里的时候，刚开始会有一些干的感觉，但是入口就一会儿就会化了，就特别的好吃。La famille d'origine de Madame Yanghua a une histoire très longue dans la confection des gâteaux croustillants. Maintenant, les touristes viennent nombreux. Tous les jours, elle utilise plus de 50 kilos de farine de riz, mais elle persiste dans le processus traditionnel. Par exemple, ce genre de gâteau, dans le Jiangzi, c'est très populaire. Mais pourquoi j'aime ce genre de gâteau? C'est-à-dire que dans le Gontan, il y a des gâteaux, 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 他就带这种小吃了，带回去拿给他的娃儿。也就是说，最早的时候这些纤夫其实并不是他吃，他是带回家给带回家给小孩吃啊。吃下去的话，他就是。Pour le professeur Tang, ce petit gâteau, c'est toute son enfance. Il est gorgé de souvenirs. À nos yeux, le bourg antique a certes été reconstruit ici, mais comme le prouve cette boutique de gâteaux croustillants, la boutique se déplace, mais le goût est toujours là. Pendant que nous nous promenons dans le bourg, la maison de Sitsin et d'autres vieux édifices. Nous donne aussi ce type de sentiment. Après avoir quitté le nouveau Sintran, nous remontons le fleuve. Une dizaine de minutes plus tard, nous arrivons au site de l'ancien Sintran. Ici, c'est l'ancien Gontan Gouzhen, c'est ça? Oui, l'ancien Gontan Gouzhen, de là jusqu'à ici. Il est en bas, mais il n'y a pas de suite. Il y a un peu de suite, parce que le niveau de la ville est plus haut.
就是那个地方输给我。哦，那儿还能看到夏家院子。夏家院子当时是公家摊的一个大户人家，冉家院子和西行会馆，它都全部挨在水下面去了，它已经成为历史了。Des figuiers au bord du fleuve peuvent encore esquisser l'image du Gontran d'antan. Quoique la plupart des maisons soient sous l'eau, le nouveau Gontran reconstruit le long du fleuve lui confère aujourd'hui une nouvelle vie. Gontran 古镇已经被乌江水所淹没，但是它又以另一种方式在这里得以重生。这正是保护与开发相平衡的结果。沿着乌江顺流而下，我们经过了它的三大险滩。这些险滩已经没有了当年的惊涛骇浪，但是无论江水怎么变，世代生活在两岸的人们依旧守护在这里，因为这里有他们最熟悉的乌江水，这里有他们童年的回忆，这里也是他们爷爷奶奶的家。我叫卢波，来自贵州省铜仁市德江县铜井乡新滩村，家住在乌江边上，刚从外面打工回来，准备从事打鱼行业。我的愿望是通过自己的努力，比以前在外面打工挣的钱更多，让家人日子过得更好。